Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va partager une journée super chargée. Il y a pas mal de choses à faire. On va faire la cuisine, le rangement et la décoration pour la Saint-Valentin et la préparation du goûter ensemble. Donc voilà, je vous montre l'état de ma cuisine. Elle est en bazar total. Franchement, là, il n'y a rien à dire. Donc, il faut tout ranger. Pour commencer, je vide le lave-vaisselle. Je range la vaisselle propre et on vient remplir le lave-vaisselle de la vaisselle sale. Voilà. Donc, vous avez tout à fait compris. On va ranger tout ça dedans et tous les ustensiles, toute la vaisselle qu'on ne peut pas mettre dans le lave-vaisselle ou qui sont un peu volumineux, je vais les laver à la main. Allez, c'est parti! Je commence toujours par nettoyer l'égouttoir de l'évier. Donc je nettoie parce que quand je vais faire la vaisselle, je vais mettre la vaisselle par-dessus. Donc il ne faut pas que ça soit sale. Je laisse la vaisselle s'égoutter et je passe au nettoyage du petit électroménager. Et donc, ce que je vais venir faire, je vais vider le grille-pain des miettes. Donc, j'ouvre seulement le petit compartiment sur le côté et il y a les miettes dessus et j'enlève. Ensuite, je viens secouer pour enlever les miettes qui restent coincées dedans. Ensuite, on passe au nettoyage de mon air fryer. Vous avez été nombreuses à me demander comment je nettoie le air fryer. C'est vrai que c'est pas facile, mais franchement, si vous faites comme moi, c'est-à-dire après chaque cuisson, vous passez un coup de chiffon, ça va. Sinon, si c'est vraiment sale, vous voyez que c'est vraiment sale, il faut le retourner et nettoyer. Moi, ce que je fais, je nettoie d'abord avec l'éponge et le liquide vaisselle. Et si je vois qu'il y a trop de trucs dedans, je peux venir mettre le produit pour le four ou le produit pink. Voilà, ça enlève la graisse qui est incrustée dedans. Et je laisse agir quelques minutes. Et voilà, ensuite je viens passer l'éponge dedans. Comme vous pouvez le voir, ça a déjà repris la couleur. Ce n'est plus aussi marron que c'était. Donc ce que je viens faire, je prends de l'eau avec l'éponge et je viens mettre dedans. Donc il faut faire attention, il ne faut pas tremper le air fryer. Vraiment, je mets de l'eau et je renverse tout de suite. Ensuite, je le retourne, je suis bien et je laisse ouvert pour que ça sèche tranquillement. Ensuite, nettoyer le bac du air fryer. Là, je ne l'ai pas mis dans la vaisselle parce qu'il n'y avait plus de place. Donc, je nettoie comme ça et je laisse sécher tranquillement. Ensuite, je viens essuyer toute la vaisselle propre et on va les ranger à leur place. J'ai une petite question pour vous les amis. Lorsque vous êtes en train de faire le travail énorme comme ça, la vaisselle, la cuisine et tout, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai un haut-parleur dans la cuisine, je mets de la musique et donc j'écoute de la musique. Sinon, en général, je téléphone à mes sœurs, on cause aussi. Ça me fait vraiment passer le temps, franchement. C'est pour ça que souvent, j'ai des écouteurs dans les oreilles. C'est parce que je parle avec mes sœurs ou j'écoute de la musique. Mais je préfère mettre le haut-parleur dans la cuisine. Franchement, c'est une ambiance que j'adore. Et donc, je danse, je chante en même temps. Je travaille et le travail, il est plus facile, il est moins pénible.
Ça fait passer le temps plus vite. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous faites quand vous êtes en train de bosser comme ça. Pour mon évier, vous m'avez conseillé ce produit Pink qui vient de chez Action. Franchement, j'aime beaucoup. Ça fait son boulot, ça nettoie bien. Et moi, le seul petit bémol, c'est que mon évier est blanc. Et donc, les taches, quand je fais la nourriture avec du kiri ou avec du curcuma, ça a du mal à partir. Donc, moi, ce que je fais à la fin, lorsque j'ai fini de nettoyer complètement, j'utilise l'éponge magique. Franchement, ça, c'est magique. Donc, je passe l'éponge magique et toutes les traces noires ou jaunes qui restent, ça enlève tout. Mais aujourd'hui, j'ai pas d'éponge. Voilà, j'ai regardé, il m'en reste plus du tout. Donc, j'ai laissé comme ça. Ensuite, on va venir nettoyer le reste de la cuisine. Comme les plans de travail de la cuisine est propre, la cuisine est à peu près rangée, ce que je vais venir faire, je vais passer la serpillière. Donc j'ai mis du produit pour nettoyer le sol et un peu d'adoucissant. Franchement, on sent l'odeur après avoir nettoyé, c'est tellement agréable. Essayez et vous m'en direz des nouvelles. Bien évidemment, on n'oublie pas de changer la serviette. Voilà, c'est ce qui m'a servi d'essuyer la vaisselle propre et tout ça. Donc moi, je change vraiment fréquemment. On va dire une serviette par jour. Je profite aussi pour préparer un petit goûter, donc j'ai préféré préparer le gâteau au yaourt, mais j'ai changé un peu la recette pour que le gâteau soit plus moelleux et vraiment délicieux. Donc j'ai pris 3 œufs et avec un pot de yaourt, j'ai mis un pot de sucre et demi. Ensuite, je viens ajouter les 2 yaourts et on va bien mélanger. Ensuite, j'ajoute 2 sachets de sucre vanillé. On y ajoute aussi un pot d'huile de tournesol ou d'huile neutre. 3 pots de farine tamisée et 2 sachets de levure chimique. J'ajoute aussi l'équivalent de 2 cuillerées à soupe de lait parce que je trouvais que la pâte était un peu compacte. Donc je veux un gâteau moelleux. Donc du coup j'ai ajouté un peu de lait pour que la pâte soit un peu plus liquide. Ensuite je viens venir mettre dans mon moule que j'ai déjà beurré et j'ai mis un papier sulfurisé au fond pour que ça colle pas. Et on va enfourner ça à 190 degrés 30 minutes. The sound.
pour ne pas mettre ma cuisine en désordre alors que je viens juste de nettoyer. Donc, j'ai fini seulement, j'ai nettoyé les ustensiles qui m'ont servi et je vais les ranger à leur place. Attention, c'est chaud, mon chéri. Toi, tu veux le gâteau, toi? Oui. Tu vas le manger avec quoi? Avec du beurre. Du beurre? Oui. La confiture? Non, avec du beurre. Eh bien. En gros, ouais. Il est où le gâteau dedans? Oui. J'ai découpé un papier que je suis venue poser sur le gâteau en forme de cœur. J'aurais dû laisser les bords. Ensuite, je viens mettre un peu de sucre glace pour donner l'effet, vous voyez quoi, un peu Saint-Valentin. Mais bon, ça a un peu raté parce que ça a touché de partout. Le gâteau ne sera pas mangé à la maison, mais on va manger chez les voisins. Les enfants sont là-bas avec Stéphane, donc je vais vous montrer comment c'est. Ce gâteau, franchement, c'était délicieux. On s'est régalé. Il est parti en une minute. Je suis rentrée tout de suite après avoir mangé le gâteau. J'ai laissé ma famille chez les voisins parce que j'avais du boulot à faire. Il faut que je fasse un petit déco pour... la Saint-Valentin, que je mette la maison dans le thème voilà, de la Saint-Valentin. Rien d'extra, mais franchement, j'aime bien décorer ma maison selon les saisons, pas selon les fêtes et tout, pour que les enfants ils réalisent qu'il se passe quelque chose quand même. Donc, ce que je vais venir faire, je vais mettre les roses dans des vases. Je sais que cette année ne fera pas exception. J'aurai des commentaires du genre « Voilà, faut pas fêter la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale. » Mais franchement, les amis, même si c'est une fête commerciale, ça nous permet de nous épanouir. Ça nous permet vraiment de profiter. Moi, j'aime bien tout ce qui est en accord avec les cadeaux et tout. On peut profiter. Je dis pas non à ça. Donc voilà, nous, on décide de fêter. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui fêtent. Donc... franchement, vivez comme vous le sentez. Moi, je vis comme je sens et je fête ce que j'ai envie de fêter. J'aime bien. C'est beau, hein? Tout de suite ensuite, je passe dans le salon pour ranger et décorer. Donc, je vais venir retirer tout ce qui n'a pas à faire dans le salon. Il y a pas mal de trucs, bah c'est pas grave. Vous savez, les week-ends, on peut pas ranger la maison. On a une maison propre, mais c'est le bazar. Voilà, ça c'est la vie de famille avec les enfants et tout. On peut pas s'attendre à ce que la famille, la maison soit toujours nickel, toujours instagrammable. C'est impossible. Moi, je n'appelle pas ça, voilà, une vie de famille. Une vie de famille, c'est ça. Il y a le bazar, voilà. Mais bon, il faut faire en sorte que ça soit toujours propre. Le sol, il est propre. Il n'y a pas de poussière. Voilà, c'est ce qui est bien. Donc voilà, j'ai retiré les jouets des enfants, j'ai retiré les plaids sur le canapé. Donc je viens passer l'aspirateur. Alors les plaids sur le canapé, c'est tout le temps. Donc je mets comme ça pour la vidéo. Ensuite, avant que les enfants ne retournent, je remets le plaid. Parce qu'avec Mathis qui mange partout, il touche à tout avec ses petites mains, ça salit vachement vite. J'ai changé les housses de coussin, donc j'ai pris les blancs là, du coup j'avais laissé le noir avec le blanc, mais franchement le rendu n'était pas terrible, donc j'ai changé, j'ai pris les rouges, ça va vachement mieux avec le plaid. Donc le plaid vient de chez Ikea, je l'ai acheté quand je suis passée là-bas il y a quelques jours. Ensuite le coussin avec... Amour, là, le coussin où c'est inscrit Amour, je l'ai acheté à Jardinerie Ricard. Voilà, c'était le seul qui restait d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai pris. Les autres décorations, je les avais déjà.
le petit bougeoir en forme de cœur. J'ai acheté 4 en Allemagne et j'aime beaucoup. Donc voilà. Oui, l'assiette en forme des 2 cœurs aussi, je l'ai acheté à Jardinerie Ricard. Pareil, ça va très bien avec le thème Saint-Valentin. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que c'était là. Et on vient s'occuper du meuble télé. Je change simplement les bougies noires en rouge. Et ensuite, pour les lanternes, là, je viens aussi changer les bougies en rouge. Ou j'ajoute les bougies rouges dedans. Du moins pour le grand, parce qu'il est vraiment grand. Et la bougie que j'ai est trop petite. Donc, du coup, je vais ajouter le rouge avec le blanc. J'ai décidé de mettre ce petit plateau en forme de cœur qui va super bien avec le thème. J'ai mis des pot-pourri dedans et j'ajoute quelques huiles essentielles pour l'odeur et des cœurs en forme, des cœurs en résine. Et voilà la petite décoration du salon, c'est tout simple, mais ça nous rappelle quand même la Saint-Valentin. Voilà, il y a les couleurs qu'il faut. Moi, je suis assez contente de ma petite déco. On passe ensuite à la salle à manger. Donc ce que je vais faire, je vais nettoyer la table à manger, mettre un petit chemin de table et un plateau avec des bougies et le bouquet, comment on appelle, et les roses. Voilà. Je n'oublie pas aussi de mettre les résines en forme de cœur aussi dedans. Parce que là, sur la table à manger, on bouge tout le temps pour manger, pour trucs, donc je mets rien de chargé dessus. Je viens faire pareil pour la petite table gigogne qui est à côté de la table à manger. Donc je mets quelques bougies rouges et le petit bougeoir en forme de cœur, pareil. Tout de suite après, je viens attaquer la préparation du dîner. Donc, je vais préparer du saumon avec quelques légumes et un peu de riz à côté. Je retire la peau des pavés de saumon parce que c'est plus facile. Quand je fais griller, voilà, je laisse. Mais pour des plats comme ça, pour que ça soit plus facile pour les enfants et tout, je retire la peau. Easy come and easy go. You're an unfading star. Gentle love, the kind that lifts you up.
Avec Mathis, on a ajouté du sel, du poivre et un peu de persil. Donc du coup, je l'ai fait mettre un tout petit peu pour ne pas qu'il mette trop, sinon il n'allait pas partir, il n'allait pas me laisser tourner ma vidéo. Donc voilà, je viens rajouter un peu. Donc je mets un peu plus de sel, un peu plus de poivre, un filet d'huile sur les saumons. Ensuite, je viens ajouter quelques haricots verts. La tomate cerise et ensuite je remets un peu d'huile d'olive par-dessus, des tranches de citron. On enfourne pour 17 minutes à 200 degrés. Je prépare aussi le dessert, donc je vais faire une petite salade de fruits. Pour ça, j'ai pris des fraises, de la clémentine, la mandarine et de la banane. Voilà, en salade de fruits, vous mettez les fruits qui vous convient, surtout les fruits des saisons. Mes enfants adorent la fraise, donc je suis tombée dessus, je l'ai pris. Donc pour ça, j'ai mis aussi une cuillerée à soupe de sucre, un peu de jus de citron et une cuillerée à soupe d'eau. On mélange tout ça et on garde au frais. Je prépare aussi une petite sauce de crème. Du coup, j'ai pris la crème semi-épaisse, j'ai mis dans la marmite. Du coup, j'ai ajouté du curry, du sel, du poivre. On laisse s'épaissir le temps que tout soit cuit. Tu fais quoi, Mathis? Je lave les couteaux. Tu laves les couteaux? Oui, parce que tous. Donc, je lave. C'est chaud, c'est chaud. Ça est pas chaud? Non. Annie à table. Et voilà, nous sommes tous à table. On va manger ce délicieux repas préparé par maman. Alors, cette année, nous, on compte sortir au restaurant. La question, c'est est-ce qu'on amène les enfants ou on va à deux? On n'en a aucune idée. Parce que là, ce sera impossible de laisser Annie à la maison. Elle va être trop triste et nous, on préfère profiter tous ensemble. Donc, je pense que ça va être toute la famille au restaurant pour la Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans les vidéos? Voilà, en train de nettoyer. Toi en train de nettoyer? Ouais. Et moi je fais le plus, moi. Ouais, mais c'est le plus important. C'est le plus important? Ouais. Ok. Tout le monde t'a vu en train de nettoyer. Ouais.
Oui. T'es content? Oui. Bon, moi je vais aller prendre une douche. Je te laisse avec tout ça. Exploité. Voilà. Une fois que les enfants sont au lit et que j'ai pris une bonne douche, c'est le moment de détente. Donc, on va préparer une tisane. Donc, j'ai pris des infusions à base de verveine et des aromatisés ananas. Donc, ça, je l'achète chez Lidl. Vous voyez dans les rayons du monde là où il y a les trucs italiens et tout, c'est là-bas on trouve ces boîtes de tisane. Franchement, c'est un vrai délice. Ça sent super bon et on a plein de saveurs. Je crois que j'ai pris au moins 4 boîtes comme ça. Et donc voilà, je les mets sur la petite table et j'ai aussi amené des petits chocolats en forme de cœur pour compléter l'ambiance. Voilà. Après l'effort, le réconfort, voilà, je me mets sur le canapé avec ma petite couverture chauffante, on la branche et ça diffuse de la chaleur. Vous pouvez régler la température, mettre le temps que vous voulez que ça dure. Voilà, c'est vraiment top, de chez top. Voilà les amis, notre petite vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker un maximum, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve tout de suite dans les commentaires. On est bien? Oui. Très bien. Oui. Bien mangé. Oui, mais n'avez pas de couverture chauffante. Non, ce n'est que pour moi. Voilà.